Vous faites bien de suivre Kinactu Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une de l'actualité. Le cardinal Fridolin Ambongo appelé à clarifier ses propos tenus lors de la messe pascale. Selon le porte-parole du gouvernement, ces déclarations donnent l'impression d'un soutien moral aux ennemis de la République. Désengorgement de la prison centrale de Makala après la libération des 264 prévenus. 94 autres ont quitté ces centres pénitentiaires mercredi. Une fois de plus, bienvenue à tous. Revenons sur l'ouverture de la matinée de l'emploi organisée par l'Office national de l'emploi à Kinshasa, où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a affirmé sa détermination de créer plus de 6 millions d'emplois durant son quinquennat. Plus de détails avec la presse présidentielle. Les chiffres sont éloquents sur la question de l'emploi en République démocratique du Congo. 254 216 personnes, dont 172 867 hommes et 81 349 femmes, ont été enregistrées comme demandeurs d'emploi de 2019 à 2023, selon un rapport quinquennal des statistiques du travail publié par l'ONEM. Pour renverser cette tendance et s'inscrire dans la vision du chef de l'État, celle de créer plus de 6,4 millions d'emplois à l'horizon 2028, l'Office national de l'emploi, sous les auspices du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, a organisé ce mercredi 3 avril 2024 au fleuve Congo Hôtel une matinée de l'emploi. Des assises ouvertes par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo autour du thème « On aime pour un partenariat fort et durable avec les acteurs du marché du travail en RDC ». Dans son allocution, le chef de l'État s'est dit déterminé de faire de son engagement à créer plus d'emplois une réalité vivante tout au long de son quinquennat. Je suis déterminé à faire de mon engagement, celui de créer plus d'emplois, une réalité vivante tout au long de ce quinquennat. Et pour ce faire, je compte sur l'implication et l'adhésion de toutes les parties prenantes pour relever ce grand défi. L'intérêt particulier que j'accorde à cette question justifie à lui seul ma présence en ces lieux à l'occasion de cette matinée de l'emploi. Autre chose, le gouvernement congolais, via son porte-parole Patrick Muyaya, a fustigé le propos du cardinal Fridolin Ambongo tenu lors de la messe pascale du samedi dernier. Pour le ministre de la Communication et Médias, ses déclarations s'apparentent à un soutien moral à tous ceux qui prennent les armes contre la République démocratique du Congo et doivent être clarifiés. Suivez. Je vais commencer par les propos du cardinal. C'est des propos qui sont extrêmement graves, venant d'un chef religieux de son acabit. Pourquoi je le dis? Parce que, quelles que soient les raisons, et en plus c'était une messe pascale, la fête la plus importante de chrétiens, quelles que soient les raisons, on ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais pour accéder au pouvoir alors qu'on a fait le choix de la démocratie. C'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos tenus par l'abbé Chaud et je les cite, où on avait besoin d'un courageux. Est-ce que les fameux courageux a été trouvé par l'Église catholique, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et pour qui on a besoin de légitimer, parce que les mots du cardinal, j'espère qu'il fera une clarification, peuvent être perçus comme un encouragement, comme un soutien moral à ceux qui choisissent de prendre les armes pour penser conquérir le pouvoir, alors que nous sommes dans un cycle depuis 2 ans qui veut que nous puissions sortir de cela. Notre ami Liévin parlait d'adhésion massive. Je ne sais pas quel est le contenu qu'il donne dans massif lorsque vous voyez 3-4 individus, parce que nous savons tous qu'il y avait à un moment le RCD. Nous avions vu toutes les têtes couronnées du RCD. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Du CNDP. Là, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression qui est établie d'un pays étranger, que des compatriotes pensent qu'il faut se mettre sur celui qui tue d'autres Congolais sous prétexte que ça ne va pas dans le pays. Il y a un véritable problème. En rapport avec la nomination de Judith Souminoa Touluka comme chef du gouvernement, la patronne du secteur de l'environnement en République démocratique du Congo, Eve Bazaïba, affirme que le parti politique étant de pépinière pour la gestion de la chose publique, le leader politique devrait suivre l'exemple venu d'en haut. C'était lors du briefing presse du mercredi dernier.
Réitérons nos félicitations à la volonté politique du chef de l'État. Nous pensons qu'il demeure encore des pesanteurs au niveau de certains partis politiques. Parce que, oui, il demeure des pesanteurs dans certains partis politiques. C'est rare de trouver les partis politiques, permettez-moi, comme les miens, le mouvement de libération du Congo, où le leadership croit en la femme et donne la possibilité à la femme d'éclore ses compétences, de donner sa contribution. Nous pensons que les partis politiques étant des pépinières pour la gestion de la chose publique, les leaders politiques devaient suivre cet exemple. Toujours dans ces chapitres, le ministre de la Santé publique salue les efforts faits, surtout dans l'amélioration de parité en assurant la prise en charge de la femme en ce qui concerne la couverture de la santé universelle dans son volet de la gratuité de la maternité en République démocratique du Congo. Regardez. Il faut reconnaître que les efforts qui sont faits au niveau de l'amélioration de la parité, ces efforts-là doivent se concrétiser maintenant au niveau de l'amélioration de la condition de la femme tous les jours. Je prends un exemple dans nos coutumes où on voit par exemple que quand une mère prépare à manger, ce qu'elle fait, c'est qu'elle réserve les meilleurs morceaux à l'homme. Et après, c'est seulement là qu'elle et les enfants peuvent manger. Cela entraîne derrière un problème de malnutrition qui malheureusement touche plus facilement les femmes que les hommes. Donc il y a des efforts à faire au niveau de notre façon de réglementer, de notre façon d'agir ensemble, notamment au niveau coutumier, au niveau de nos habitudes, pour que la femme soit réellement protégée. Et cela doit se faire dans les secteurs. Il faut que chaque secteur prenne à bras le corps cette masculinité positive et la transforme en action pour améliorer la condition de la femme. Alors, je pense que dans ce pays, notamment dans cette ville de Kinshasa, personne n'oublie que nos mamans étaient en prison parce qu'elles ont accouché. Les mamans restaient en prison avec leur bébé parce qu'elles ont accouché. Comment est-ce qu'on peut parler d'une masculinité positive, mais on garde une maman en prison parce que tout simplement elle a accouché. Donc c'est parmi les choses que nous ne pouvons pas continuer à accepter. Je rappelle des chiffres qui sont quand même tristes pour nos mamans. C'est le nombre de nos mamans qui meurent tous les jours en donnant la vie. Prenons cette nouvelle en bref, la nomination de Judith Suminwa-Tuluka au poste du Premier ministre suscite beaucoup d'espoir dans le camp des déplacés des Kwamont vivant à Bandunduville, chef-lieu de la province du Kwilu. Depuis bientôt 2 ans, ont exprimé divers besoins d'ordre social, car certains invitent la nouvelle chef de l'équipe gouvernementale à s'imprégner de la situation sécuritaire dans cette partie du pays afin de leur permettre de retourner dans leurs villages respectifs. Changeons de chapitre. En ce qui concerne l'élection de la présidence de la Chambre basse du Parlement, Narcisse Ntumba, responsable de la presse et médias au sein de la formation politique CRIC, soutient totalement la candidature du député national Vital Kamerhe et appelle toute la famille politique de l'Union sacrée de la nation à s'aligner derrière ses tickets gagnants. Il est au micro de Richard Nawesh. Moi, je pense que nous laisser l'Assemblée nationale entre le maire du président Mbosso à nouveau, j'espère que ça va encore déranger beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que nous devons donner à ce pays la chance de se développer. Donc le président Mbosso est pour la 3e fois président de l'Assemblée nationale. Il était d'abord président du bureau d'âge. Il était président du bureau définitif, il est maintenant président du bureau provisoire. Moi je pense que non. Avec les questions que nous avons, qui taraudent nos esprits concernant la guerre de l'Est, le choix de Vital Kamerhe à la tête du perchoir de l'Assemblée nationale, je pense que non, c'est vraiment un choix judicieux. Pourquoi? Parce que Vital Kamerhe, c'est un ressortissant de l'Est. Il a d'abord la maîtrise de toutes ces questions. Nous avons déjà une première ministre. Bientôt, là, le gouvernement sera mis en place. Il faudra maintenant qu'il y ait à l'Assemblée nationale quelqu'un qui pourra collaborer avec le chef du gouvernement, le président de la République, pour que nous puissions avoir de très bonnes résolutions. J'espère que non, le choix de Vital Kamerhe, ça serait tout simplement pour que nous puissions consolider ces acquis-là au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, c'est d'abord un technocrate, quelqu'un qui maîtrise toutes les questions parlementaires, de surcroît
c'est quelqu'un qui est issu de l'espace où il y a les atrocités. Il a la maîtrise de tout ce qui se passe de l'autre côté. Il va faciliter au président de la République les décisions à prendre concernant la guerre. Et surtout, il faudrait que les gens sachent aussi que nous voilà. Les Mbosso et les autres là sont arrivés quand Tshisekedi est au pouvoir. Mais Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui s'est battu. Il s'est battu, il a crié en Tshisekedi avant que Tshisekedi devienne président de la République. À l'Assemblée provinciale de la Tshopo, la session du mois de mars s'ouvre dans un contexte particulier pour Mathieu Kanga, président de l'Assemblée provinciale. Au niveau national, l'agression dont est victime la République démocratique du Congo par le Rwanda, sous couvert des rebelles du M23, ne cesse de faire des victimes jour après jour sous les regards indécis de la communauté internationale. Regardez. Dans son discours, Mathieu Kanga souligne qu'il y a lieu de porter un regard interrogatif sur le conflit Mbole et Lingola qui dure depuis trop longtemps. Cela entraîne des conséquences collatérales incalculables. Selon lui, il est temps de se regarder en face et de clarifier les choses. Cette question sera mise à l'ordre du jour au cours de cette session ordinaire et sera débattue sans tabou. Pour le président de l'Assemblée provinciale de la Tshopo, aucun cadeau, mot d'ordre, aucune somme d'argent ne doit prévaloir sur l'intérêt de la population et ne doit trahir la Tshopo. Les acteurs de la mobilisation des recettes et ceux de la chaîne des dépenses doivent bien faire leur travail. La Tshopo n'est pas une boutique. L'impunité a trop duré dans cette province. Les auteurs de détournement des deniers publics seront traduits en justice, a-t-il indiqué dans son adresse. Abordant la situation sociale, le président de l'Assemblée provinciale a demandé à l'autorité provinciale présente à la cérémonie d'ouverture, malgré les urgences, de bien vouloir payer les arriérés des salaires pour les agents de la Direction générale des recettes de la Tshopo. Le ministre provincial et l'Assemblée provinciale, qui traversent de moments difficiles avec leurs familles pour la scolarisation et leurs enfants, l'allocation de maisons et leurs soins médicaux en cas de maladie. Sur la question des infrastructures, tout est à refaire à l'Assemblée provinciale. Le bâtiment administratif et à la salle de la plénière sont vétustes. Les députés provinciaux ne bénéficient pas de frais d'installation et vivent dans des conditions difficiles. Sachez que les forces de défense nationale sud-africaine ont fermement réfuté les allégations concernant la prétendue reddition de deux soldats sud-africains aux forces négatives du M23, selon certaines rumeurs, car le SANDEF déclare avec force la présence de tous leurs membres déployés en République démocratique du Congo dans le cadre de la mission de la SADC, communément appelée SAMI DRC. Les forces de défense nationale sud-africaine SANDEF ont formellement réfuté les allégations concernant la prétendue reddition de deux soldats sud-africains aux rebelles du M23 comme l'ont rapporté certaines sources médiatiques. SANDEF déclare avec force que tous leurs membres déployés en République démocratique du Congo dans le cadre de la mission de la SADC, communément appelée SAMI DRC, ont été dûment recensés et sont en sécurité. Il sied de pingler que le SANDEF a spécifiquement critiqué un article embrouilleux publié par un correspondant anonyme de Washington, le rejetant comme méritant le mépris. Le SANDEF souligne que ce n'est pas la première fois que de telles fausses nouvelles visant à discréditer la force de défense sont diffusées depuis son déploiement en République démocratique du Congo sous l'égide de la SAMI DRC. Les forces de défense insistent sur le fait qu'elles prennent très au sérieux ces tentatives de nuire à leur réputation par des individus anonymes et affirment qu'elles ne resteront pas passives face à des tentatives d'éteindre leur bonne réputation. Le SANDEF, en tant qu'autorité supervisant, le membre déployé s'engage à tenir la République sud-africaine régulièrement informé de la situation et de la sécurité de ses membres en République démocratique du Congo, réaffirmant ainsi leur engagement envers la transparence et la responsabilité.
Poursuivons ce journal. L'opposition congolaise n'est pas totalement d'accord en ce qui concerne les dialogues entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en vue de résoudre la crise sécuritaire dans la partie orientale du pays. Suivez Simon Lifeta, vice-président de la Ligue des jeunes et de l'Alliance pour le changement. Par rapport au problème de la sécurité de notre pays, et la fois passée, je l'avais aussi dit que M. Tshisekedi, ici, il ose d'aller rencontrer M. Paul Kagame, c'est d'agenouiller notre pays une fois de plus. Parce que nous, déjà, à l'époque où IDPS était de l'opposition, on criait que le régime Kabila, ou soit M. Kabila, était une marionnette de M. Kagame. Vous voyez un peu. Maintenant, on a tenté comment mettre en échec tout ce qu'a fait M. Paul Kagame. Mais à ce jour, M. Tshisekedi, tout ce qu'il nous avait promis pendant sa campagne électorale, que Kagame a connu qu'au Sakana, Batunyo Semena Fachi Betonte, et voir aussi cette même personne aujourd'hui prendre la décision, ce courage-là d'aller rencontrer cette même personne, nous voyons que c'est à genoux notre pays parce que les informations à ma possession, M. Kagame met des conditions. C'est-à-dire, avant de recevoir son homologue, M. Félix Antoine Tshisekedi, le président Tshisekedi doit revenir dans tous les médias où il avait proféré des propos à son égard. Vous voyez un peu, vice-clément, M. Tshisekedi n'a qu'à travailler sur le plan interne. Comment restructurer notre armée et comment restaurer l'autorité de l'État? Comment sur le plan interne que nous puissions d'abord mettre en place la cohésion nationale et l'unité nationale que nous les opposants et même la société civile et là qui sont au pouvoir, que nous puissions mettre de côté nos divergences, mais aussi surtout et qui sont au pouvoir de laisser un peu les antivalères et comprendre au moins les valeurs, et ce n'est que dans cette condition que nous pouvons au moins renverser la donne et chercher à prendre le dessus sur le régime de Kigali de M. Paul Kagame. En justice, le désengorgement de la prison centrale de Makala s'est poursuit. Mercredi dernier, 94 autres prévenus ont été libérés. Selon le procureur général, près la Cour de cassation Firmin Vondé, ces libérations ne concernent pas seulement le bénéficiaire des libertés provisoires, mais également ceux dont les dossiers sont devant le juge. 65, en fait c'était 69, libérés la dernière fois. 94 aujourd'hui. Et 250 un peu plus entre-temps, entre la fois passée et aujourd'hui. 357 prévenus libérés en une semaine. Je suis ravi parce que la commission a donné un plus à ces libérations de cette fois. Je crois que, et comme je l'ai dit, là, ça va continuer. Un chiffre déterminé, non, parce que là, je veux alors dire, est-ce que si j'ai un nombre déterminé des gens que je vais arrêter, non. Donc, c'est au cas par cas, et nous évoluons. Donc, nous avons un peu assoupli les critères pour tâcher de trouver un nombre assez grand de personnes qui vont être libérées. Je l'ai dit tout à l'heure, madame, entre jeudi passé et aujourd'hui, au micro, vos caméras n'étaient pas là. Plus de 250 personnes ont été libérées. Le même travail se fait à l'intérieur. La matature, c'est le ventre mou, on parle pas beaucoup, on n'a même pas toujours les caméras là où nous travaillons, mais sachez que ce travail se fait également à l'intérieur. Les cas libérés, ben, ce sont des cas où les victimes sont désintéressées, ce sont des cas où les prévenus eux-mêmes se sont demandés. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous de la mangue? Découvrons ensemble le bienfait de ces fruits. Fumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a des vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydantes qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine
Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours, car elle s'abîme vite. Enfin, le bulletin météorologique, il faut s'attendre à la pluie ce vendredi. La température à Kinshasa sera de 22 degrés Celsius, dominée par une température ressentie plus chaude de 25 degrés Celsius et la force du vent oscillera aux alentours d'un kilomètre par heure. Mais à l'après-midi, la température atteindra le 25 degrés Celsius, marquée par une température ressentie plus chaude, soit 28 degrés Celsius. Enfin, dans la soirée, il y aura des magnifiques éclaircies. La température retombera vers 22 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 3 km par heure. Ce journal touche à sa fin. Avant de nous quitter, place au rappel des titres. Le cardinal Fridolin Ambongo appelé à clarifier ses propos tenus lors de la messe pascale. Selon le porte-parole du gouvernement, ces déclarations donnent l'impression d'un soutien moral aux ennemis de la République. Désengorgement de la prison centrale de Makala après la libération des 264 prévenus. 94 autres ont quitté ces centres pénitentiaires mercredi. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Retrouvez Corinne Kadoulou-Dama pour vous informer. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.